Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, amen, alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Samedi 27 novembre 2021, les textes liturgiques sont lus par Sœur Diane Audrey Rima de l'Institut des Sœurs de Notre-Dame des Apôtres et le révérend diacre Mathias Etché de la Société des Missions Africaines, commenté par le Père Barthélémy Noumachi de la Société des Missions Africaines. Du livre du prophète Daniel au chapitre 7, du verset 15 au verset 27. Moi, Daniel, j'avais l'esprit angoissé, car les visions que j'avais me bouleversaient. Je m'approchai de l'un de ceux qui entouraient le trône, et je l'interrogeai sur la vérité de tout cela. Il me répondit et me révéla l'interprétation. Ces bêtes énormes au nombre de quatre
ce sont quatre rois qui surgiront de la terre. Mais ce sont les saints du Très-Haut qui recevront la royauté et la posséderont pour toute l'éternité. Puis je l'interrogeai sur la quatrième bête qui était différente de toutes les autres. Cette bête terriblement puissante avec ses dents de fer et ses griffes de bronze qui dévorait, déchiquetait et piétinait tout ce qui restait. Je l'interrogeai sur les 10 cornes de sa tête et sur cette corne qui lui avait poussé en faisant tomber les 3 autres devant elle. Cette corne qui avait des yeux et une bouche qui tenait des propos délirants. Cette corne qui était plus imposante que les autres. Je l'avais vu faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux jusqu'à la venue du vieillard qui avait prononcé le jugement en faveur des saints du Très-Haut. Et le temps était arrivé où les saints avaient pris possession de la royauté. À ces questions, il me fut répondu. La quatrième bête, c'est un quatrième royaume sur la terre qui sera différent de tous les royaumes. Il dévorera toute la terre, la piétinera et l'écrasera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui surgiront de ce royaume-là. Un autre roi surgira ensuite. Il sera différent des précédents et il renversera 3 rois. Il prononcera des paroles hostiles au Très-Haut et persécutera les saints du Très-Haut et il entreprendra de changer la date des fêtes et la loi. Les saints seront livrés à son pouvoir pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Puis le tribunal siégera et la domination sera enlevée à ce royaume qui sera détruit et totalement anéanti. La royauté, la domination et la puissance de tous les royaumes de la terre sont données au peuple des saints du Très-Haut. Sa royauté est une royauté éternelle et tous les empires le serviront et lui obéiront. Parole du Seigneur. Veuillez répondre après moi le répondre du cantique de Daniel. À lui, haute gloire, louange éternelle. Et vous, les enfants des hommes, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Toi, Israël, bénis le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Et vous, les prêtres, bénissez le Seigneur. À lui, haute gloire, louange éternelle. Vous, ses serviteurs, bénissez le Seigneur, à lui haute gloire, louange éternelle. Les esprits et les âmes des justes, bénissez le Seigneur, à lui haute gloire, louange éternelle. Les saints et les humbles de cœur, bénissez le Seigneur, à lui haute gloire, louange éternelle. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous pourrez vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 21, versets 34 à 36. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là,
ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra, en effet, sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, louis soit Jésus-Christ. Nous voici au terme de l'année liturgique B, en ce samedi de la 34e semaine de cette année liturgique. Demain commence l'année liturgique C avec le temps de l'Avent, temps d'attente et de préparation à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans l'évangile de ce jour, Jésus nous invite déjà à cette veille, à cette préparation pour sa venue. En effet, il nous invite à nous tenir sur nos gardes, de crainte que nos cœurs ne s'alourdissent dans les beuveries, l'ivresse, les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur nous à l'improviste comme un filet. Eh bien, pour être debout au jour où il paraîtra, il nous faut être debout chaque jour, comme si chaque instant qui vient pouvait être l'instant même de sa venue, car nous espérons son avènement. Aussi, nous faut-il donc fuir la distraction. C'est encore nous tenir debout, le regard porté vers l'horizon de l'amour de Dieu, sans être distrait par tout ce qu'il y a autour de nous. L'homme debout, fort de la confiance dans le Seigneur, suit la route qu'il lui montre sans être distrait, sans être enfermé dans son égoïsme, mais en étant attentif, c'est-à-dire éveillé. Mais tout cela est impossible par nos propres forces. Ce n'est que dans la prière que nous refaisons nos forces pour être droits. Parce que la prière est le lieu privilégié du dialogue, du regard à l'attention, à l'amour de Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, prions Dieu, le Père, qu'il délivre notre cœur du poids des plaisirs et des soucis qui nous accablent, afin que vraiment libres, nous puissions veiller et prier. Nous puissions travailler à l'avènement du royaume de son Fils et que nous puissions attendre sans crainte la venue du Fils de l'homme. Que Dieu lui-même nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils, et le Saint-Esprit.